Et bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de football entre le Stade Malherbe de Caen et le Nîmes Olympique. C'est la deuxième journée. On va voir si le Nîmes Olympique va conserver cette série de victoires qu'ils ont commencé avec leur premier match, une victoire 2-1 face à Angers. Ça va être intéressant de voir ça. Et c'est donc parti ici. Nîmes qui est encore une fois à l'extérieur. Allez, Nyangé avec Fadjer, Imoru, Mbeng. Nyangé à nouveau, peut-être sur le centre, non. Tiku avec Bess. Dabo, demandé à nouveau vers Sanko. C'est rattrapé par les Nîmois qui avancent bien, mais c'est rattrapé par Caen. Allez, ça avance petit à petit sur le côté avec Dabo. Demandé avec Fadjer, Onyangé. Le centre sur le côté. Et Caen qui commence de là. Oh, attention au tacle. Ça va qu'il a joué le ballon, mais elle était sortie cette balle. Et ce sera une touche. Faire très très attention aux fautes là, surtout à cet endroit là. Dabo. Oh, le centre. Oh là 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 là, cette reprise de volée. Et ça revient. Oh, ils sont chauds là, quand ils ont les supporters derrière eux. Elle est remontée sur le côté à nouveau. Elle est sortie cette balle. Allez, Ferrat. À la couche. Ferrat à nouveau. Qui avance. Il faut la passer cette balle. Briançon. Avec Bobichon. Martinez vers Théo Valls. Et c'est conservé. Et il part qui la garde. Oh là là. Et le gardien qui l'arrête. Juste avant que Théo Valls se jette. Là, il y a eu une petite frayeur, là, du côté de Caen. En une occasion, il y a eu frayeur. Attention, Sanko. Vers Dabo qui peut centrer. Oh oui. Oh oui. S'il dribble bien. Eh, c'est dégagé par le défenseur. Qui avait bien anticipé ce que le joueur allait faire. Miguel. 20e minute de jeu. Philippe Otto. Il part. Ils ont du mal, les Nîmois, à passer cette ligne de défense de Caen, là, qui sont vraiment bons, là, niveau tactique, pour l'instant. Oh là, oh là là, ça a failli être trop fort. Eh bien, ça a été trop fort, d'ailleurs. Presque. Ce sera une touche, Ferrat. Avec Valls. Oh, il part. Et Valls qui tire. Oh, cette parade de Samba. Ah là 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 là. Là, c'était chaud, encore une fois. Ils ont failli percer cette défense. Et battre ce gardien qui, décidément, bah, il a dégagé d'une main, vous voyez. Corner tiré par Ripard. Miguel, corner à deux. Oh là 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 là, Bobichon. Et le tir. Oh, l'ouverture du score sur un tir désespéré de la part de Ferrat qui ouvre ce score pour le Nîmes Olympique. Alors là, c'était vraiment un tir désespéré. Je crois qu'il n'a même pas regardé où il a tiré. Et Bernard Denis qui applaudit son joueur. C'est l'ouverture du score. Eh, je le sentais que ça allait passer pour les Nîmois. Regardez là le tir. Ah ouais, il a même pas contrôlé la balle, il avait pas le temps de toute façon. Il a tiré direct et elle était parfaitement cadrée et le gardien a été surpris tout simplement.
Ferrat, premier but de la saison pour lui. Il n'a même pas regardé où il a tiré. Ah, ça c'est du talent hein, quand même. Et donc 1-0 pour les Nîmois face à Caen. Ah mais c'est dans un sens c'est pas étonnant hein. Caen tente de bonnes choses. Ah, il va falloir continuer pour eux. Alors qu'on arrive à la 30e minute de jeu bientôt, Ripar qui avance. Allez Bobichon qui fait ses derniers matchs là. Rappelle qu'à la 4e journée, Bobichon va être libéré de son contrat. Tout comme Baptiste Guillaume et Mawasa. Avec Rivelli. Mbeg. Et les Nîmois n'ont pas tenté de récupérer cette balle. C'est une grossière erreur ça. Sanko. Avec Dabo alors qu'il pouvait hein, récupérer cette balle. Dabo à nouveau qui va tenter d'égaliser le plus rapidement possible. Et ça s'approche, il peut tirer. Et ça dégage pour les Nîmois, c'est bien. La couche. Vers Paquiez. Ferrat. Oh, vers Ripar sur le côté, c'est bien. Paquiez à nouveau, vers Valls. Ah, Valls. Oh, le gardien qui la dégage, des points. Et ça va revenir, attention, on arrive à la 40e minute de jeu, à la couche. La Ferrat, pas d'enjeu signalé, le centre. Et la tête du défenseur. Oh là, oh là, à nouveau une tête. Et ça retombe toujours dans les pieds des Nîmois. Pas caisse de tir. Et c'est pas cadré. Elle est même pas puissante cette frappe. Je trouve qu'ils font beaucoup de frappes où ils ne regardent pas où ils tirent. C'est des frappes souvent pas bien contrôlées. À peine la balle arrive sur leur pied qui tire, voilà. Et là, c'est des occasions perdues. Allez, Ripar. La tête. Et c'est arrêté par le gardien. Alors qu'on approche de la mi-temps maintenant. Avec Odiangé, là, la contre-attaque. Qu'il faut que ça aille vite. Crivelli. Fadjir qui avance. Il n'y a pas de joueur sur lui. Ah, il y a eu incompréhension. Et c'est la mi-temps ici. 1-0 pour le Nîmes Olympique. But de Zinedine Ferrat à la 26e minute de jeu. Pour l'instant, c'est une bonne première période pour Nîmes. On est de retour ici avec Nîmes qui mène 1-0 face à Caen pour cette deuxième journée de Ligue 1. J'espère que Caen va réagir avec de meilleurs moyens offensifs. Philippe Poteau sur le côté, elle n'est pas sortie cette balle. Le centre et la tête du défenseur qui dégage. Beg, il faut les jouer à fond les contres là, il y a moyen. Passe en retrait au Nyangé. Crivelli, au Nyangé, c'est bien fait là. Et non, la bonne défense se montre. Et là maintenant c'est au tour des Nîmois de passer en attaque. Non, pas de contre. Il préfère conserver la balle. Priver le stade Malherbe de Caen de cette balle. Attention là parce que ça peut aller vite. Et non. Peut-être sur le côté avec Paquiez. Et le gardien qui se jette sur cette balle, heureusement, parce que là il y avait peut-être danger. Allez, pour Caen, ça revient, ils vont tenter tout pour le tout, ils ont raison. On ferait tous pareil de toute façon. Allez, on continue. Allez, Ripar maintenant.
Philippe Poto qui garde cette balle, qui centre la tête. Hey, elle tombe sur la cage. C'était bien tenté, alors qu'on revoit l'action. Hey, il a conservé cette balle. Hein. Hey, elle est tombée sur la cage. Heureusement, parce que sinon, le gardien... Ah, il aurait peut-être touché. Je pense qu'il aurait touché la balle. Alors que Bamou est rentré du côté de Caen. Et Denkay a remplacé Paquiez. Oh hey, je crois que ça a touché la transversale, là. Ça n'est pas le gardien qui l'a dégagé. Eh oui, transversale. Oh là 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 là. Ça chauffe. Côté des cages de Caen. Avec un 50-50 niveau possession. Et un taux de pourcentage de passes réussies de 89% du côté de Caen. Allez, sur le côté. Mais c'est Bernardoni qui récupère cette balle. Paul Bernardoni. Très très bon gardien. Philippe Poto. Philippe Poto qui conserve Valls. À nouveau vers Philippe Poto, c'est bien fait. Le Hunte. Bah ça se tentait. Ça se tentait. Un changement. Et Chocante est entré du côté de Caen. Oh, attention, parce que Valls il est toujours là. Vers Ferraté. Samba qui s'empare du ballon avant que l'attaquant le fonce dessus. Tête. C'est rattrapé par la couche qui est toujours sur les bonnes occasions. Ferrat. Oh la faute. Oh là là la faute. Attention, que va dire l'arbitre. Juste un avertissement verbal. Pas de carton. Et Grady est entré à la place de Sacco. Et Baptiste Guillaume est entré à la place de Valls. Guillaume qui sera libéré de son contrat lors de la quatrième journée de Ligue 1. Comme deux autres de l'équipe. Manqué avec Imoru. Caen qui essaie d'égaliser, mais ça dégage du côté nîmois. Ripard. Toujours 1-0. Puis Guillaume. Avec Denkay. Oh là 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 là, mais il va être plus rapide. Il va être plus rapide, le défenseur de Caen. Allez, Imoru. Un bang. Numéro à nouveau. Avec Djikou. 80e minute de jeu. Plus que 10 minutes de temps réglementaire. Pour tenter d'égaliser du côté de Caen. La tête. Oh, la parade de Bernardoni. Celle-ci, elle était bien. Celle-ci, elle était bien de tête. Allez, passons bonne. Eh, la tête, et elle était cadrée, hein. Elle était cadrée, hein. Imparable Bernardoni aujourd'hui. Le corner, ça peut être une occasion majeure. Eh, le dégagement du point. Tabou. Eh, la balle qui... Ah, faute. Apparemment, il y a eu faute. Oh oui, ah oui, oui, il y a une petite faute là. Du joueur de Caen. Onyangé, 17 passes réussies. C'est plutôt pas mal. Et il conserve la balle là, dans cette seconde période, dans cette fin de seconde période. Il va l'éviter à tout prix. Onyangé qui peut tirer! C'est pas du tout cadré, malheureusement pour lui. Il s'est trop précipité. Et là, c'est la déception qui doit être présente pour lui. Il va falloir faire mieux que ça, hein, s'il veut espérer
permettre à son équipe de revenir au score. Allez, 5 minutes avant la fin de ce match, le dégagement de Bernard Denis. Miguel avec Philippe Otto vers Guillaume. Et Philippe Otto qui avance. Et est-ce qu'il va l'avoir en premier? Oui. Va-t-il réussir à centrer? Non. Elle est sortie, cette balle. Ce sera une touche pour les Nîmois. Et c'est bien fait. Avec Miguel le centre, la tête. Et le coup de pied en mode karatéka du défenseur de Caen. Qui veut vraiment à tout prix dégager cette balle. Il veut vraiment pas qu'elle passe. Michon avec Tenkei. Ah, il est pris en deux là. Avec 2 minutes de temps supplémentaire. C'est le temps qu'il reste à Caen pour tenter de marquer. Mais non, mais non, ça ne passe pas. Et ça dégage. Et c'est la fin de ce match. Nîmes qui s'impose avec le plus petit des scores. 1-0 but de Zinedine Ferrat à la 26e minute de jeu. C'est une victoire. Et on se retrouve pour la journée numéro 3 avec le Nîmes Olympique.